Bonjour à toutes, nous voici de retour. Nous sommes jeudi, à 2 jours de notre rencontre spéciale du Godyu de Tosutien. Nous sommes ici exactement comme hier pour parler un petit peu et vous présenter le Godyu de Tosutien, que vous découvriez pourquoi il est important de pouvoir participer de ces rencontres spéciales pour femmes. Et aujourd'hui, nous avons le témoignage spécial de Kathleen, qui était là dans notre dernière rencontre à Saint-Denis et va, par ses propres mots, vous expliquer pourquoi il est important de participer de ces rencontres. À tout de suite. Alors maintenant, je suis avec Kathleen de Paris. Kathleen, tu m'as dit que tu avais déjà un témoignage, une expérience par rapport aux réunions. Oui, en fait, c'est vrai que j'ai une expérience par rapport aux réunions. Déjà, à la base, il faut savoir que moi, j'étais, on peut dire, anti-Godlywood. C'était quelque chose que j'aimais pas. Pour moi, c'était juste un paraître, en fait. Et justement, à travers les tâches qu'on doit faire, pour moi, je pensais que c'était forcé et que c'était pas naturel. Du coup, je voulais pas me lancer. Et quand j'ai vraiment pris la décision de le faire, c'est là que j'ai vu vraiment les fruits, en fait, dans le sens que j'ai vu vraiment qu'on travaillait sur l'intérieur et c'est pas du tout l'apparence, c'est vraiment l'intérieur. Et je suis en train de découvrir beaucoup sur moi-même, en fait, au niveau de mon caractère, au niveau de mes failles, de mes erreurs. Et je peux vraiment dire que jusqu'à maintenant, en fait, les tâches que je suis en train de faire, elles sont vraiment en train de m'aider à développer. Je fais les réunions spirituelles quotidiennes à l'église, mais ça, c'est vraiment un plus, en fait, parce que ça travaille vraiment en profondeur. Donc c'est pas une réunion, on va dire, une réunion comme ça en plus dans le centre d'accueil, c'est vraiment quelque chose qui apporte... Oui, pour moi, véritablement, cette réunion-là, elle est essentielle en fait. Quand elle y est, j'entends que voilà, c'est tous les mois qu'on la fait, elle est vraiment essentielle parce que c'est dans cette réunion-là que je vais vraiment travailler encore plus en profondeur. Bien sûr, toutes les semaines, toutes les tâches qu'on fait, je vais travailler en profondeur, mais dans cette réunion-là, j'attends vraiment quelque chose de spécial en fait. J'attends vraiment que le point, même s'il est difficile, et souvent il est difficile à entendre, mais je me dis que c'est un mal pour un bien en fait, et du coup j'attends vraiment cette réunion avec impatience quand il l'annonce, parce que je sais que ça va apporter quelque chose de profond d'intérieur. Nous voici de retour après le témoignage de Kathleen. Vous voyez que Kathleen est une jeune de la Force Jeune France, et elle s'est dit... à un moment donné de sa vie, qu'elle avait besoin d'un plus. Elle était assez réticente avant par rapport au travail du Godyu d'auto-soutien, mais à un moment donné, elle a commencé à s'analyser, à voir sa propre nécessité et à se dire « non, j'ai besoin d'un plus. J'ai besoin d'un temps pour investir en moi. J'ai besoin d'un temps pour me valoriser à moi-même. » Et à partir de ce moment, son esprit, son entendement a complètement changé. Elle a commencé à venir aux rencontres de l'auto-soutien. Et elle a commencé à prendre du temps pour elle, à investir en elle et voir la transformation dans son intérieur. Et c'est ce que nous vous proposons, vous qui nous écoutez aujourd'hui. Nous sommes à 2 jours de l'auto-soutien, qui sera samedi le 18 juin à Saint-Denis à 17h. Et peut-être vous êtes en train de vous demander encore, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est encore une réunion, encore une rencontre, je n'ai pas de temps, j'ai tellement peu de temps pour faire ce que je dois faire. Mais le temps que nous vous proposons, mesdames, mesdemoiselles, c'est un investissement personnel qui va porter ses fruits, non seulement dans notre propre vie, comme hier nous avons écouté le témoignage de Madame Elena, mais aussi pour la vie de notre propre famille. Donc, ce n'est pas une perte de temps. C'est un temps qui va vous apprendre à prendre soin de vous, à investir en vous, à vous valoriser. Et si nous nous valorisons, nous pouvons toutes choses. C'est pourquoi je vous invite à participer ce samedi, le 18 juin, à 17h, à Saint-Denis. Et nous serons ensemble en train d'apprendre à avoir un esprit d'excellence, à investir dans cet esprit d'excellence. C'est pourquoi je vous dis à demain, vendredi, nous serons à nouveau pour écouter encore des témoignages de personnes qui ont su investir en elles-mêmes, qui ont su valoriser leur propre vie. À demain.